Dis donc, j'ai l'impression que rien ne te résiste. Et puis, donc demain, on va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait ensemble, hein. Tu sais avec qui, avec que tu as jamais fait, hein. Donc tu vas récupérer ton petit collier avec ta dent de requin, et puis tu sais très bien ce qu'on va faire demain sur le plateau. On va peut-être rester ici un petit peu plus longtemps que prévu au final. Allez, reviens, reviens. Toujours un peu de guitare. Salut Martin. Et non, ça n'est pas Martin Veil qui est à ma droite. Non, ça n'est pas le Martin Veil journaliste qui est là ce soir. Ce que je disais tout à l'heure, tu n'es que le saltimbanque. Exactement. Ok, donc tu es interprète, tu es saltimbanque, tu es artiste aujourd'hui. Donc je ne te parle pas, d'accord. C'est le Martin Veil saltimbanque. C'est le Martin Veil artiste. Aujourd'hui, Martin n'est pas journaliste, hein, pour ceux qui étaient là en début d'émission. Martin n'est pas journaliste. Martin est artiste aujourd'hui. C'est le Martin. Feu. Voilà, cracheur de feu. Avignon, Martin, voilà, jongleur aussi, troubadour, jongleur, pour de vrai. Et Martin va faire un petit bœuf tout à l'heure, va prendre sa guitare et va faire comme ça au débeauté. Le saltimbanque nous joue un petit morceau. On va passer au côté obscur de Martin Veil. Mais non, il est lumineux, c'est comme Lost. Oh, il est lumineux. Et ce jour-là, Martin, je ne te l'ai pas dit, mais tu m'as fait rêver. Tu m'as fait voyager. Mais c'était super. Tu vois? Mais oui, c'était super. Il ne se plante jamais en vrai. Mais non, mais c'était super. Il a fait toujours parfaitement. Je reste en train. T'es vexé? Ah, bah, c'est pas comme si t'étais foutu de ma gueule. Mais non, enfin. Si vous voulez que Martin Veil refasse un bœuf, tapez 1. Si vous voulez que Martin Veil refasse un bœuf, tapez 2. Après la pub, Martin Veil refait un bœuf. Si vous n'étiez pas là juste avant la pub, Martin Veil, vous avez raté le live de Martin Veil qui était sublime. Il le fera tout à l'heure. Vous le refaites tout à l'heure parce que vous avez tapé un partout. C'est beau l'amour. C'est beau l'amour, oui. Une petite chanson après, En Marche. Si Macron est élu, nous... On peut l'improviser. Ah oui, un petit coup de guitare. Et quand on me fait voyager, je voulais t'offrir cette dent de requin. Je voudrais dire un truc. Vous êtes pas prêts, hein. Juste avant de chanter, Martin a pris un peu de miel. Merci beaucoup, Yannick. En espérant que tu l'apportes la prochaine fois que tu regarderas l'horizon. Alors je vais en prendre aussi. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Non. Martin, tu as vu que Marc, c'est un peu le combat à lui. Peut-être un autre live de Martin Veil. Avec Camélia Jordana et sa guitare. Ben oui, mais il était flippé comme tout, il a pris du miel et tout, enfin bon. C'est pour ça que nous avons la dent de requin autour du cou. T'as bien fait de prendre du miel, c'était super. Et si t'es gentil, Martin, tu auras ta dent de requin. Mais seulement si t'es gentil. Avec qui, pourquoi? On fait un petit morceau avec Camélia Jordana. Voilà. C'est une amie qu'on a perdue en Paris. Et tu sais quoi? Tout le monde aura sa dent de requin, Martin. Tout le monde aura sa dent de requin parce que je sais que tu aimes les dents de requin. Tu aimes chanter sur la plage avec une guitare, donc tu auras ta dent de requin. Voilà. Marc Bauger, salut. Salut Yann. Je le fais dans l'ordre comme ça. Hein. Donc Marc Bauger, ne soyez pas jaloux, vous aurez votre dent de requin aussi. Ici, c'est obligatoire. Hein. Ici, on doit porter une dent de requin. Ah oui, non, quand Martin a sa guitare, il faut absolument porter une dent de requin. Le générique de fin. Oui, bah oui, tu vas le chanter. C'est pas tout de suite, non, c'est pas tout de suite. Pour l'occasion. Merci. Deuxième dent de requin. T'es pas obligé de les accepter. Je vais la mettre aussi. Ouais. Tu veux du miel? Tu veux du miel? Dans 2 minutes. Tu veux du miel? À
Prends-nous bien, si tu veux. T'as besoin. Ah non, mais je veux une voix, mais pff, du tonnerre pour le générique ouais, de fin. Ça se trompe pas à la guitare, là. Donc c'est votre première télé avec Dandrolquin. Ouais. Tout va bien. Merci, Tamar. À demain.